Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent Lego City sorti en 2017. Voilà, et donc aujourd'hui nous sommes le mardi 12, donc nous sommes à la moitié du calendrier de l'Avent. Donc bien on avance, hein, ça, on va vite s'y retrouver à Noël d'ici là. La case est ici, et je vous rappelle que hier, oh hier, innommable tragédie, énorme prank, comme qui diraient les jeunes, effectivement de la part de Lego, car nous avons eu eh bien deux fois le même cadeau. Et oui, souvenez-vous, ce petit truc un peu inutile, nous l'avons eu une seconde fois à la place d'un bonhomme de neige. Donc autant vous dire, maintenant j'ai un peu les pétoches, un peu les chocottes. J'espère qu'on aura la bonne surprise cette fois-ci et plus de double, hein, ce qui peut visiblement arriver. Voilà, aïe 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 aïe. Allez, on va cesser de parler pour ne rien dire. Je vais ouvrir ça. On mettra la lumière un peu après, mais comme vous pouvez le voir, on a une lumière naturelle qui est pas trop trop mal aujourd'hui. Donc je me suis dit, bon bah pour une fois, autant ne pas y aller à coup de lumière électrique. Bref. On va ouvrir ça. Et visiblement, non, nous aurons bien la bonne surprise. Voilà, aujourd'hui, au moins, ça c'est fait. Et ce sera une petite structure, je pense, qui est censée aller dehors, étrangement. Un peu comme une sorte de marché de Noël. Même ça, effectivement, le marché de Noël, c'était plus dans le thème, dans le calendrier de l'Avent Friends l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Plutôt il y a 2 ans, vu que l'an dernier, effectivement, je ne l'ai pas fait. Et donc, justement, eh bien, ce sera un petit stand. Donc, un petit stand que nous allons faire grâce à des petites pièces, ce qui semble plutôt logique jusqu'à présent. Alors, laissez-moi juste, voilà, mettre ça en avant. Donc, on aura cette pièce-là. On va mettre ensuite 2 pièces, une fois 4, comme ceci. Remettre une petite pièce en dessous, afin de stabiliser l'ensemble. Voilà un peu à quoi ça va ressembler. Alors par contre, encore, j'ai peut-être un peu trop zoomé maintenant. Comme ceci. Et là-dessus, on va caser eh bien, 2 petites pièces cylindriques noires. Puis ces 2 pièces de longue vue, entre guillemets, mais qui peuvent aussi servir pour faire comme par des sortes de montants. Et on met la partie haute du stand avec une pièce, comme vous pouvez le voir, qui est une sorte de brique un peu creuse à ce niveau-là. Et enfin, on case la petite tasse à ce niveau. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça pourrait presque aller avec ça en termes de coloris. Mais comme là, une sorte de petite lampe, je suppose que c'est plus fait pour un intérieur, ça, et ça en extérieur éventuellement. En tout cas, je vois mal ce type de structure en extérieur. Bon, après, comme vous pouvez voir, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais au moins, je suppose que ça refait une structure un peu dans ce type-là où une figurine peut naviguer. Donc, je vais la mettre ici pour l'instant, parce que je pense que ça va dehors vraiment. Et puis, bah, écoutez, on verra après avec les autres jours, les jours suivants, comment on peut arranger ça par rapport aux autres surprises qu'on aura. Voilà. Donc, bon, au moins, on a eu la bonne surprise cette fois-ci. Même si c'était pas spécialement extraordinaire comme vous avez pu le voir non plus, hein, c'est pas non plus la fête. Et écoutez, bah, c'est tout pour ce 12, donc un jour un peu anticlimatique. Demain, on sera mercredi, le jour des enfants, on sera le 13. Oh, bon, ça, c'est pas un vendredi 13, il n'y a pas de superstition dans le coin. Ce sera là-haut, et donc on verra ce qu'on a. En tout cas, moi j'aimerais bien avoir d'autres jouets miniatures, parce que pour l'instant, je dois avouer que les jouets miniatures, c'est un peu les surprises les plus fortes et les plus consistantes qu'on a eues jusqu'à présent. Donc j'aimerais bien avoir d'autres, quitte à faire. Mais bon, on verra ce qui nous attend demain. Questions, commentaires, bien évidemment, vous pouvez les poser. Je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai si besoin est. Et pour le reste, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un bon 12 décembre, si vous regardez cette vidéo le jour même. Et puis pour le reste, eh bien, bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et on se retrouve demain donc pour la suite du calendrier de l'Avent. Allez, salut, salut!